Bienvenue à une nouvelle leçon du quatrième chapitre du cours pour programmeurs en Java, intitulé Classe Java Fondamentale. Alors tout de suite le menu. Tout d'abord, on va prendre connaissance de l'architecture de l'API de Java. On verra plus loin ce que c'est qu'une API. Et puis, on va parler du package java.lang. Alors, l'architecture de l'API de Java. Alors, comme vous devez le savoir, au niveau de Java, il utilise aussi des commandes système, du système d'exploitation. Il peut aussi utiliser des commandes appartenant à d'autres langages de programmation. Il peut faire, bien sûr, euh, il peut travailler avec euh, des bibliothèques appartenant à d'autres langages de programmation, et ainsi de suite. Alors, tout cela, on les fait appeler par des API. Alors, l'API de Java. API est égal à application programming interface. Projeté entièrement objet. Tout à fait normal. Du fait qu'on exploite par exemple des commandes de système d'exploitation, des commandes système, des commandes qui peuvent appartenir à d'autres langages de programmation, donc l'API est complètement orientée objet. Ça veut dire qu'elle capitalise euh, toutes les commandes déjà existantes pour ne pas penser à la conception d'autres commandes similaires. Strictement intégrées avec le langage Java. Donc, vous n'avez pas à les appeler automatiquement. Elles sont appelées directement lorsque vous programmez un premier programme. Elles sont appelées automatiquement. Alors, l'API de Java joue le rôle des API des systèmes d'exploitation et des librairies d'autres langages. C'est ce que je viens d'expliquer. Donc, en principe, l'API utilise des commandes de systèmes d'exploitation. Ça peut être le de système d'exploitation Windows comme ça peut être système d'exploitation Unix ou Linux et ainsi de suite mais toujours est-il elle peut faire appel à des commandes système d'exploitation comme elle peut faire appel à des commandes d'autres bibliothèques d'autres langages de programmation. Alors la plateforme Java cette fois-ci. Alors tout à fait au début on retrouve les applications et les applets, c'est-à-dire vos programmes qui ont été conçus alors, les programmes qui ont été conçus, tout à fait après, on retrouve l'API de Java, donc les appels. Parce qu'au niveau de votre programme, vous pouvez faire appel à des commandes système, quand vous pouvez faire appel à des commandes appartenant à d'autres librairies pour d'autres langages de programmation, et ainsi de suite. Alors, juste après l'API de Java, on retrouve les classes Java fondamentales du fait que, au niveau de votre programme, vous allez utiliser des classes, et ces classes, au niveau, bien sûr, de la plateforme Java, elles doivent appartenir à des classes Java fondamentales, sinon des classes Java de l'extension standard. Alors, je répète, là se trouve votre application ou le programme que vous avez développé. Alors, au niveau de votre programme, vous pouvez faire appel à des, euh, des commandes système ainsi que des commandes appartenant à des bibliothèques d'autres langages de programmation. Et puis, bien sûr, au niveau de pro votre programme, vous utilisez des classes appartenant aux classes Java fondamentales, c'est-à-dire des objets, d'accord, ou bien des classes Java de l'extension standard. Et puis, automatiquement, c'est la machine virtuelle Java. Donc, après tous ces éléments, vient la machine virtuelle Java. Et puis il y a une interface de porting pour pouvoir bien sûr dialoguer avec le système d'exploitation. C'est le système d'interprétation si vous voulez. Alors avec des adaptations à faire, des browsers et puis on attaque le système d'exploitation. Donc voici la plateforme Java, comment elle est conçue. Alors on va passer maintenant au paquet java.link. Alors comme je vous ai déjà expliqué dans des leçons précédentes, Java dispose de plusieurs paquets. Alors ces paquets ce, où sont regroupés plusieurs classes ou euh, des interfaces, si vous voulez, avec euh, plusieurs méthodes et, et d'une manière très bien organisée pour pouvoir vous retrouver. Alors maintenant, durant ce cours de Java, on va essayer de voir ou d'étudier les paquets les plus intéressants et les plus importants au niveau de Java. Alors parmi maintenant ces paquets, le paquet java.link. Alors, le paquet java.lang fournit des classes qui sont fondamentales pour le langage. Alors, comme je l'ai déjà expliqué lors de la leçon précédente, en principe, le euh, paquet java.lang, c'est un paquet qui est automatiquement euh, implémenté lors de votre première programmation. Donc, c'est un paquet auquel il ne faut pas faire référence, il ne faut pas l'appeler, il est importé automatiquement. Alors, fonctionnalité de niveau système d'exploitation, c'est-à-dire qu'il y a des commandes qui peuvent agir directement sur le système d'exploitation. Et bien sûr, utilise des classes Wrapple qui encapsulent des types primitifs en objets, c'est-à-dire que des classes Wrapple qui contiennent par exemple des objets euh, qui ne sont pas de type objet, c'est-à-dire des types primitifs. Alors, bien sûr, au niveau de la classe Rapport, il existe des méthodes qui convertissent bien sûr ces euh, objets de type primitive en, en objet euh, orienté objet, si vous voulez, au niveau de votre langage. Alors, parmi maintenant les classes fondamentales, bien sûr, de la euh, bibliothèque ou si j'ose dire, du package java.lang, on retrouve la classe object. Alors, la classe Object, en principe, c'est la super classe de toutes les classes Java. Elle contient toutes, enfin, toutes les méthodes de cette classe sont héritées par toutes les classes au niveau de tout, de tout Java. Et ça, c'est une chose qui est très intéressante. Alors, la racine de la hiérarchie des classes Java. Alors, au niveau de la classe Object, on retrouve des méthodes parmi les méthodes qu'on retrouve, la méthode getClass. Alors, la méthode getClass, c'est la classe d'appartenance. Alors, pour la comprendre correctement, on va prendre un exemple et on va le saisir. Alors, string, par exemple, le nom de la classe, qui doit être égal au nom d'un objet, que vous allez vous-même déclarer, point getClass. Get, Alors, en principe, la méthode getClass renvoie un objet de la classe class qui représente la classe de l'objet. Alors, le code suivant, bien sûr, permet de reconnaître cette classe-là. Alors, vous avez la méthode equals. C'est pour, bien sûr, pouvoir comparer entre les objets. Alors, pour pouvoir la comprendre correctement, on va essayer de reprendre un petit exemple pour mieux la comprendre. Alors, par exemple, l'objet 1, point. Equals l'objet 2, si vous voulez. Alors la méthode equals, en principe, elle implémente une comparaison par défaut. Donc sa définition dans Object compare les références dans objet 1 avec objet 2, et puis renverra, enfin, il y aura toujours un retour d'information, euh, renverra un, 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 trou, un trou si les objets sont de même type. Alors, dans une classe object pour laquelle on a besoin de pouvoir euh, dire que deux objets sont distincts, il faut absolument, bien sûr, travailler avec la méthode equals. Alors, si sa méthode equals, si le retour de l'information est trop, ça veut dire que les deux objets sont identiques. Si le retour d'information est false, ça veut dire que les deux objets ne sont pas identiques. Alors, la méthode clone. La méthode clone, c'est une méthode très importante qui nous permet, bien sûr, de cloner, comme son nom l'indique, un objet bien précis. Alors, l'avantage de pouvoir cloner un objet bien précis, c'est que si, par exemple, vous faites une modification sur l'objet de vase, la modification ne sera pas portée sur l'objet qui a été cloné. Alors, pour ceci, en principe, on va prendre un exemple très simple. On peut écrire, par exemple, x.clone. Point d'interrogation, bien sûr. Alors bien sûr, si x désigne un objet, objet 1, d'accord Alors x.clone, elle, elle renvoie un second objet qui est objet 2 et qui est une copie. Donc ça veut dire que objet 1 reste une copie de objet 2. Alors maintenant, si objet 1 est modifié, Objet 2 n'est pas affecté. Donc, automatiquement, si on modifie, donc s'il y a une modification à faire au niveau d'objet 1, automatiquement, elle ne sera pas portée au niveau de l'objet 2. Alors, par défaut, la méthode clone renvoie, bien sûr, un objet pour une variable, enfin, copie une variable par variable. Alors, toString, c'est une version qui reste imprimable. Alors, cette version qui reste imprimable, euh, elle nous permet bien sûr d'avoir, euh, si vous voulez, d'insérer l'arrobasque au niveau de votre message et puis de faire énormément de choses pour pouvoir les imprimer. Wait and notify, c'est dans le cas où il y a lieu de faire une synchronisation. Alors, pour pouvoir faire une synchronisation, lors, surtout lorsqu'on va travailler en multithread, par exemple, il y a lieu, lieu de faire une synchronisation entre les process pour pouvoir travailler correctement. Alors, interface fondamentale. Il existe trois interfaces fondamentales pour, pour, dans le langage Java ou, si vous voulez, dans le package Java.lang. Alors, premièrement, les interfaces clonables. Alors, clonable en principe, ce sont les instances qui peuvent être clonées, c'est-à-dire qui peuvent être copiées. Vous avez l'interface comparable. Alors, ce sont les instances qui jouissent d'un ordre total, c'est-à-dire qu'il y a une certaine comparaison entre les deux. Et puis enfin, vous avez l'interface runnable. Donc, ce sont les instances qui peuvent être exécutées. Alors. La classe classe. Alors, la classe classe représente le concept de classe et d'interface pendant l'exécution. Alors, généralement, lorsque vous avez besoin, par exemple, de créer une nouvelle classe existante, indépendamment des classes qui existent dans, euh, au niveau des packages de, de Java, alors, euh, toujours pour pouvoir la déclarer, on insère bien sûr la classe classe, c'est-à-dire CLA2S, pour pouvoir bien sûr euh, prévoir une, une autorisation, si vous voulez, ou bien sûr une déclaration d'une nouvelle classe que vous pouvez créer. Et puis, un, pour ensuite l'implémenter au niveau de votre programme. Alors un programme peut ainsi vérifier de quelle classe est un objet qui lui est passé. C'est tout à fait normal. Alors maintenant lorsque vous créez une classe, automatiquement elle vous donne la possibilité de connaître cet objet-là, à quelle classe il appartient. Il peut aussi contrôler toutes les propriétés de la classe, comme les méthodes supportées. Et ainsi de suite. Donc, on peut les contrôler. Si par exemple, on fait référence à une classe, ça veut dire qu'on en dépend. Donc, on peut contrôler aussi, bien sûr, les méthodes. Alors, le pattern maintenant. Le pattern wrapper. Alors, le pattern wrapper, en principe, les objets de type wrapper euh, représentent des objets qui encapsulent des types primitifs. Alors, des types primitifs, ce sont des types qui ne sont pas orientés objets. Alors bien sûr, la classe, ou si vous voulez le, water, le, le, le pattern wrapper, en principe, il contient des méthodes qui permettent de enfin, des méthodes de conversion pour pouvoir bien sûr faire basculer ces, méthodes, ces types primitives vraiment en orienté objet. Alors vous le voyez ici, en principe vous avez des ressources qui sont non objets et bien sûr le pattern wrapper dispose... De méthodes qui allait pouvoir convertir ces ressources non objets en ressources objets. Alors, classe Wrapper des types primitifs. Alors, vous pouvez avoir bien sûr des conversions de type booléen, des conversions de type caractère, des conversions de type integer. des conversions de type long des conversions de type float et des conversions de type double et puis void. Alors pour ceci, euh, je vais essayer de vous donner un, une multitude d'exemples pour faire un petit peu la comparaison et pour voir un petit peu la conversion, comment on fait une conversion de type primitive vers des types orientés objet. Alors, premièrement, int, par exemple valeur, est Égal. Alors, la valeur, la, plutôt les méthodes de conversion opèrent sur euh, des instances. Alors, integer, point value of 9, 9 et 9, un exemple, point int value. Alors, en principe, les méthodes de conversion d'un opère sur des instances, mais il est possible d'utiliser les méthodes statiques. Donc là, c'est euh, un premier exemple, si vous voulez. Alors, on va voir un deuxième. Alors, ces classes ne sont pas euh, un, interchangeables avec les types primitifs d'origine, car il s'agit d'objets. Alors maintenant, regardez, on va prendre un autre exemple. Float. l'objet pi par exemple, qui est égal à une nouvelle déclaration, une nouvelle réservation en mémoire, New Floats, alors 3,1415 et ainsi de suite. Et puis, on va ressortir cette information, system.out Print alors, 5 fois l'objet pi. Voilà. Alors, automatiquement, ici, on va avoir une erreur. Pourquoi on va avoir une erreur Pourquoi Parce que nous, au niveau de la déclaration, au niveau du float de l'objet pi, euh, il a été déclaré au new float avec 3,14, donc avec une affectation automatique. Alors, ce genre... Bien sûr, de passage entre les lignes peut nous causer des erreurs. Alors pour obtenir la valeur contenue dans l'objet, alors on va la voir, il faut utiliser la méthode type value. Alors la méthode type value, c'est une méthode où le nom du type est standard. Et on va le voir tout de suite, par exemple, le fait de saisir integer, par exemple, entier. est égal à new integer, par exemple 10. Et puis, int entier est égal à entier.int value. Voilà. Alors à ce moment-là, on va délimiter un petit peu les problèmes qui peuvent être causés au niveau des conversions. Math. Alors au niveau de la bibliothèque euh, java.lengue, on retrouve la classe Math. Alors la classe Math, c'est une classe euh, qui n'est pas euh, héritée puisque bon, on ne peut pas avoir d'instance de la classe Math, mais elle contient en l'occurrence beaucoup de méthodes avec lesquelles les programmeurs euh, peuvent utiliser pour pouvoir mener à bien leur programme. Alors, fournir les fonctions mathématiques communes. C'est une classe qui ne peut être instanciée, ne peut pas avoir d'objet. On ne peut pas faire référence à la classe, classe à la classe math. Mais on peut faire bien sûr référence aux méthodes de la classe math. Tous ces membres sont statiques. Alors, on va passer maintenant à la classe string et string buffer. Alors en principe, la classe string et string buffer, ils fournissent des opérations communes sur les chaînes de caractères. Alors, c'est-à-dire si par exemple, on va prendre la classe string par exemple, string par exemple, une chaîne, c'est le nom de notre variable si vous voulez, recevra par exemple bonjour. Ou bien, par exemple, string, une chaîne qui recevra un new string pour vous montrer un petit peu l'utilisation, bien sûr, de la méthode string ou de la classe string. Voilà. Donc, vous avez plusieurs manières pour pouvoir l'implémenter. Voilà, donc. La classe string, en principe, c'est une chaîne de caractères qui est contenue dans un objet de la classe string. Alors, stringbuffer est comme un string, mais peut être modifié. Bien sûr, stringbuffer reste une classe avec plusieurs méthodes, mais qui peuvent être modifiées. Alors, pour les expliquer, on va reprendre un exemple très simple pour pouvoir vous expliquer le stringbuffer. Alors, nous voulons par exemple concaténer. Concaténer, c'est-à-dire, nous avons deux chaînes de caractères que nous voulons additionner, c'est-à-dire euh, mettre l'une à côté de l'autre. Sachant que nous avons une chaîne a, b, c, d et e. Alors, nous voulons la concaténer avec, par exemple, deux. Alors, les objets de cette classe, en principe, contiennent des chaînes de caractères variables. Alors, ce qui permet, d'accord, de les agrandir et de réduire cet objet. Alors là, on va l'écrire d'une autre manière différente. New, string buffer, append. Et là, on va ouvrir une parenthèse. On va ajouter le A, B, C, D, E, objet de la concaténation. Point. Append toujours. Str. Point. Append. Du chiffre 2 qu'on doit concaténer. Point, cette fois-ci, string. Voilà. Alors au niveau de la compilation, maintenant cette fois-ci, elle passera sans problème, elle sera plus lisible que si on l'écrivait de la manière la plus simple dont vous avez eu tout à fait en haut. Insert, là aussi ça reste bien sûr euh, une méthode de la classe string aussi. Replace string buffer aussi. Class loader. Alors c'est la classe abstraite qui est responsable de charger dynamiquement Vérifier et relier une autre classe Java pendant l'exécution. Alors, en principe, comme vous devez le savoir, euh, les programmeurs ont parfois besoin d'avoir une interaction entre les classes. Alors, si vous avez besoin, par exemple, tout en travaillant avec une classe, de faire une interaction avec une autre classe, vous faites appel à la classe Loader, qui va bien sûr se charger dynamiquement de vérifier et de relier entre d'autres classes Java de votre de, du même package ou d'autres packages. Alors, chaque classe a une référence au class loader qui l'a chargée. Parce qu'en principe, chaque classe, pour qu'elle soit chargée, elle est chargée par un class loader et il y a une certaine référence. Alors maintenant, pour pouvoir travailler avec une classe qui est déjà existante, vous avez déjà des références auxquelles vous pouvez, bien sûr, euh, euh, sur, euh, vous, vous, vous baser pour pouvoir, bien sûr, joindre telle ou telle classe. À étendre pour définir des modes spéciaux de chargement des classes. Runtime. Alors vous, les programmeurs, vous êtes habitués à avoir un message d'erreur appelé à runtime erreur. Généralement, on a toujours le runtime erreur. Alors maintenant, le runtime. Chaque application Java en exécution a une instance de runtime qui lui permet d'être en interface avec la JVM. Sauf que maintenant, au niveau de Java, nous avons la possibilité d'avoir euh, des reconnaissances d'erreurs. D'accord, on crée des exceptions pour reconnaître l'erreur, pour capturer l'erreur et pour éviter ce genre de désagrément. Alors, vous avez bien sûr euh, au niveau de la classe runtime, vous avez des méthodes comme get runtime ou la méthode exec. Alors, la méthode exec est une méthode très importante qui vous permet, bien sûr, d'utiliser des commandes système. Maintenant, si vous, au niveau de votre programme, vous voulez utiliser une commande système. Vous n'avez qu'à utiliser la commande exec à l'intérieur. vous avez bien sûr les arguments, et au niveau de l'argument, vous allez mentionner la commande système que vous voulez exécuter, parce que parfois on a besoin d'exécuter des commandes système. Alors, exec, la commande, exécute une commande système dans un nouveau processus. Free memory NGC, donc ça pour gérer votre mémoire. Alors, le process. Alors, le process, là, je vais m'arrêter un petit peu parce que c'est une chose très importante. Alors, tout programme et tout bon programme doit être euh, lancé ou exécuté sous, sous, sous plusieurs process. Pourquoi sous plusieurs process Parce qu'en principe, au niveau du système d'exploitation, là aussi, on peut avoir des problèmes au niveau des process. C'est-à-dire que si, par exemple, vous gérez le gestionnaire des tâches, tout en restant dans l'environnement Windows. Si vous gérez le gestionnaire de tâches, vous pouvez savoir le nombre de process qui sont ouverts. D'accord. Alors maintenant, plus une application a plusieurs process, plus vous êtes un petit peu sécurisé dans la mesure où si un process plante, les autres ne doivent pas planter puisque vous êtes dans un environnement de 32 bits. Alors c'est pour ça qu'au niveau de Java, vous avez l'avantage de travailler avec le multithread. Alors maintenant, je vous donne un exemple très simple pour pour vous illustrer un petit peu le process, je suppose que vous avez une base de données (Access, Informix, SQL Server, Oracle, ce que vous voulez) et vous avez un autre, enfin, cette base de données qui est attaquée par un langage de programmation tel que Visual Basic et ainsi de suite. Alors, en principe, lorsque vous lancez votre application, et je suppose que l'application est développée sous un seul process, lorsque vous lancez votre application, en principe, vous allez avoir deux process qui vont se mettre en marche. Le process, le process qui va lancer votre application et le deuxième process qui va ouvrir la base de données. Alors, généralement, lorsque vous travaillez euh, sous n'importe quel environnement, et maintenant, si par exemple votre euh, programme a planté, alors maintenant, on a l'habitude de travailler avec le fameux contrôle alt-supprime pour le rentrer au niveau du gestionnaire des tâches et bien sûr arrêter la tâche. Et parfois, vous vous rendez compte que même si vous arrêtez la tâche, le système reste planté. Alors pourquoi le système reste planté Parce qu'en principe, vous avez pour ce même processus un autre processus, sinon plusieurs processus qu'on appelle process qui sont en marche. Alors maintenant, vous avez la possibilité au niveau de Windows d'arrêter l'arborescence des processus. Et là, vous pouvez la voir au niveau de tous les systèmes d'exploitation. Donc lorsque vous voulez faire arrêter un processus, arrêtez toute l'arborescence du processus. À ce moment-là, vous allez arrêter le process. Du langage de programmation, le process de la base de données et ainsi de suite. Alors, le process représente un processus Java en exécution. Il permet de contrôler l'exécution d'un processus et d'obtenir des informations sur lui. Alors, maintenant, système. Donc, je ne pas système, ça veut dire la, la classe système. Elle contient les files int. Out et Error. Get Security Manager. En principe, ce sont des méthodes pour pouvoir bien sûr gérer la sécurité. Get Property and Set Property. Load String Class File. Un GC qui exécute le garbage collector. Alors, Security Manager. Alors, en principe, au niveau du sécurité Manager. C'est euh, une classe qui permet bien sûr de pouvoir euh, à une application de, ré, de réaliser des politiques de sécurité. Et là on va les voir. Check, par exemple, vérifie si le XXX va contre la politique de sécurité et si oui, il lance Security Exception. Alors en principe, lorsqu'on parle de politique de sécurité, il y a lieu de créer ce qu'on appelle des règles. Parce qu'il y a des règles de sécurité que vous pouvez créer. Il y a des règles qui sont déjà créées, il y a d'autres règles que vous avez la possibilité de créer. Alors, une fois que vous créez ces règles, lorsque vous checkez, par exemple, il faut voir est-ce que l'élément que vous allez checker répond aux règles que vous avez créées ou aux règles existantes. Alors, maintenant, si oui. S'il répond, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. S'il ne répond pas, ça veut dire qu'il faut lancer une exception. Et bien sûr, éventuellement, au niveau de votre programme, il faut que vous ayez un code qui allait bien sûr capturer cette exception et vous donner un message d'erreur au lieu de faire planter soit le programme, soit toute la machine. Trouble. Donc, on a eu la, 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 la possibilité de le voir. Donc, on a vu au niveau d'autres. Euh... D'autres chapitres précédents. Alors, c'est la classe plus générale qui comprend toutes les erreurs et les exceptions. Donc, en principe, c'est une classe qui contient plusieurs méthodes. Et ces méthodes-là, comme fry, catch et ainsi de suite, qui nous permettent bien sûr de définir les exceptions, de les capturer. Et en fonction de ce que vous avez capturé, de lancer bien sûr un message d'erreur qui allait euh, éviter bien sûr le fait de planter le programme ou euh, toute la machine. Erreur » comprend toutes les erreurs. Les exceptions, qui comprend toutes les exceptions. Alors, ceci dit, notre chapitre prend fin. Alors, il ne faut pas oublier qu'au niveau de chaque chapitre, vous avez des exercices pratiques que vous pouvez utiliser. Alors, maintenant, toujours est-il, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien MedNetuno.